Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme tous les jours. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo. Ce témoignage sera fait en plusieurs parties. Maintenant, une femme va commencer par nous expliquer ce que les sorciers font que la plupart des gens ignorent. Mais qu'est-ce que c'est? Écoutons. En fait, généralement, quand on fait des confessions et puis souvent les sorciers confessent pour dire, par exemple, j'ai sali l'aura, j'ai fait caca, j'ai mis sur mon enfant et tout, les gens s'imaginent pas que ça se passe dans la réalité. Le sorcier, en fait, quand il vient, par exemple, il quitte Abidjan pour venir, par exemple, en France, il a le pouvoir de s'envoler et il a le pouvoir de venir de manière invisible, rentrer dans ta maison par le mur. Mais par contre, quand il doit, par exemple, voler ton étoile, te salir avec des sels, poser des pièges dans ta maison, il se matérialise physiquement. C'est-à-dire, il devient homme, il est dans ta chambre. C'est pourquoi, généralement, quand les gens prient, et puis au milieu de la nuit, ils se réveillent, ils voient quelqu'un dans la maison, et puis un coup, la personne disparaît. C'est parce que le sorcier, il peut s'envoler, il peut se mettre en invisible pour entrer dans ta maison, mais pour agir, il faut qu'il se matérialise physiquement. C'est pourquoi il est important de prier avant de dormir. Parce que quand un sorcier rentre dans une maison, il peut, par des incantations ou bien même par une poudre, il endort la maisonnée plus que d'habitude. De sorte que, par exemple, quand il doit te salir avec son caca, il fait le caca dans la maison. Il prend ça, il te badigeonne. Quand ça sèche, et puis maintenant il te nettoie pour que quand tu te réveilles physiquement, toi tu ne vois pas. Mais l'odeur de ce caca-là reste sur toi, de telle sorte que tu es rejeté partout où tu passes. Donc quand la dame, là, par exemple, a pris le gant de toilette de l'enfant pour nettoyer son devant et son derrière pour déposer, si la maman n'avait pas vu, elle allait prendre le gant. Parce qu'il fallait que ça se matérialise dans le physique pour nettoyer ses enfants. Et c'était fini. Les enfants allaient être rejetés de partout où ils vont passer. C'est pourquoi il est important aussi de noter que, avant, nos parents, là, quand un étranger vient à la maison, c'est les plus petits qu'on enlève dans les lits pour les installer. Au jour d'aujourd'hui, là, qu'aucun parent ne le fasse. Parce que si tu ne maîtrises pas le bord spirituel d'une personne que tu reçois chez toi à la maison, il est hors de question que tu déplaces tes enfants. C'est pourquoi il est important maintenant avec le téléphone de prévenir. Par exemple, quand quelqu'un vient chez toi, si tu ne peux pas déplacer tes enfants, tu lui dis que tu ne peux pas le recevoir. Ou bien s'il vient, tu lui fais une place où personne ne dort, soit dans le canapé, ou bien s'il y a une chambre de visiteurs, il se débrouille là-bas. Mais il ne faut plus déplacer les enfants pour installer des gens qui vont laisser des choses spirituelles dans la vie de vos enfants. Si vous n'êtes pas des personnes de prière, il faut éviter. Même si vous êtes des personnes de prière, il faut éviter. Ce qui est l'espace réservé à vos enfants doivent rester sains de toute contamination spirituelle extérieure. Ça, c'est bon, c'était un petit conseil. Après, bon, disons, une famille. Excusez-moi, mais je ne sais pas trop. Un monsieur qui avait vraiment beaucoup de moyens. Donc, il a fait des enfants. Il avait trois garçons. Et puis une fille. Il avait des enfants qui sont décédés, mais il avait trois garçons et puis une fille. Et quand le monsieur décédait, sa fille qui était l'aînée, elle a fait un enfant. Et ce monsieur-là, il avait beaucoup de biens. Donc quand il est décédé, les enfants étaient mineurs. Étant donné que les enfants étaient mineurs, il y a son frère aîné à qui la justice a donné l'autorité parentale. C'est-à-dire que il récupérait tout le pécule que le monsieur avait de ses constructions, de ses entreprises et tout. Il était censé s'occuper des enfants avec ça. Le monsieur ne faisait pas ça. Il bouffait l'argent. De sorte que la fille était l'aînée. Maintenant, le second, c'était le garçon. Le garçon était obligé parce que l'oncle ne payait plus l'école des enfants et tout. Donc, l'aîné des garçons était obligé d'aller dehors, dans la rue, aller jouer les manawa, les apprentis, tout ça là, pour venir donner l'argent à sa grande sœur qui avait un enfant.
Donc la grande sœur aussi, à un moment donné, il fallait qu'elle continue les cours. Donc sa tante lui dit, bon, comme tu as accouché et puis tu n'as personne pour garder ta petite fille, ramène-moi l'enfant, comme ça tu vas aller faire tes cours. Donc c'est comme ça, les enfants ont grandi, tant bien que mal. Maintenant, quand ceux qui sont devenus majeurs maintenant veulent récupérer les biens, impossible. Donc l'affaire, il a mis son veto. Donc les enfants maintenant, tout ce que les enfants entreprennent, échec sur échec. La grande soeur qui avait déjà un enfant au mariage, elle a pu se marier, elle a eu d'autres enfants, mais avec son mari, c'est la guerre permanente à la maison. Donc un jour, même elle est tombée malade, et de sa maladie, elle s'en va consulter, on dit elle a le VIH. En ce moment, elle avait récupéré sa fille maintenant. Mais à la maison où elle vit avec sa fille et son mari, là, elle a des attitudes qui ne sont pas vraiment catholiques, donc elle ne comprenait pas. Et le garçon qui avait abandonné le couple pour aller se chercher dehors pour pouvoir nourrir sa famille, tellement c'était un enfant consciencieux, malgré que ses amis étaient dans la drogue, dans la boisson, dans la cigarette, lui n'a jamais touché à ça. Tout son argent, c'était de venir déposer ça dans la famille pour que sa grande soeur puisse s'occuper des plus petits. Donc finalement, ils sont tous déscolarisés, sauf le dernier garçon qui, lui, par la grâce de Dieu, a eu le bac. Donc quand il a eu le bac, on l'a orienté dans une filière. Arrivé là-bas, l'enfant qui était très intelligent, il a commencé à ne plus voir clair. Quelque chose qu'il faisait, ça ne rentrait pas, donc ils l'ont renvoyé. Son grand frère aussi, il a dit, bon, avec sa grande soeur, ils vont se débrouiller pour pouvoir payer une école privée pour le petit frère en question. Et le grand frère qui était vraiment sans problème d'alcool et tout, il a commencé à tomber dans l'alcool. Il était devenu violent. Sa femme avec laquelle il vivait, il la battait matin, midi, soir. Le deuxième garçon aussi, c'est pareil. Donc un jour, ils ont décidé comme ça d'aller prier. C'est ainsi que l'aîné des garçons, il a fait la rencontre d'une prophétesse. Il a commencé à prier avec la prophétesse. Et quand il a commencé à prier avec la prophétesse, sa nièce qui était à la maison est tombée malade. Donc sa grande soeur l'appelle pour lui dire, bon, prends ma fille, envoie-la chez la prophétesse. Donc il prend sa nièce, il l'envoie chez la prophétesse. La prophétesse dit, ah, ta nièce, elle est dans la fosterie. La fille dit, jamais, elle n'est pas sorcière. Donc la prophétesse dit, bon, en fait, les fruits de la sorcellerie, là, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir délivrer un sorcier. Donc elle connaît un homme qui est spécialisé dedans, donc elle va les orienter vers cet homme de Dieu, là. C'est ainsi que les trois garçons, leur père aîné, plus la nièce, ils se retrouvent dans le camp des prières. Quand ils arrivent là-bas, quand l'homme de Dieu les reçoit, il confirme, il dit, la nièce, elle est sorcière. Elle voulait nier. Il lui a dit, si tu veux nier la histoire de mon camp, mais tu as 3 jours. Si tu as vécu, c'est que moi, je ne prie pas un Dieu vivant. Et là, la fille maintenant va avouer qu'effectivement, elle est dans la sorcellerie. Et qu'il l'a initiée, la tante qui avait dit à sa maman, ramène-moi ta fille pour que tu puisses aller terminer tes études. En fait, cette tante-là est en complicité avec l'oncle qui s'est approprié tous les biens de son frère, puis il a jeté les enfants à la rue. Je ne sais pas si tu me comprends. En fait, l'oncle et la tante, comme ils voulaient forcément vivre aux enfants et qu'ils n'arrivaient pas, ils ont introduit la nièce qui avait l'âge de 8 ans dans la sorcellerie, comme ça, elle est vie à la maison. Du coup, c'est plus facile pour elle d'opérer à partir de l'intérieur. Donc, c'est ainsi que la petite, elle a introduit ses deux oncles dans la boisson, dans la violence, en les rendant inféconds. Et le dernier des garçons qui a eu le bac là, c'est qu'il a fait renvoyer de l'école. Et non seulement ça, une nuit, elle va prendre pour que elle égorge le gars. Quand elle égorge le gars, au moins on va finir pour couper le dernier trait là, la tête du monsieur repousse. Et il y a un feu, et la fille s'est retirée. Mais elle a dit, c'est pas grave, faites fin d'année là. C'est-à-dire que la confession s'est passée en octobre-novembre. Elle avait programmé ses 3 ans, plus sa maman, c'est-à-dire le 24, le 31, le 1er, et puis février. Et la chance qu'ils ont eue, c'est que c'est octobre-novembre, ils sont entrés dans ce camp de prière là. Et qu'est-ce que la fille faisait? Qu'à un moment donné, les enfants étant devenus majeurs, ils ont intenté une action en justice pour récupérer les biens de leurs parents. C'est la fille
qui est parti, qui a chié tous les papiers, de sorte que tous les avocats qui étaient prêts à défendre les enfants parce qu'ils étaient dans leur droit d'hériter des biens de leurs parents que l'oncle a usurpé. La fille, chaque fois qu'un avocat se désigne, elle s'en va et puis elle met des fausses idées dans la tête de l'avocat et puis l'avocat se dessaisit. Et c'est elle, pour que sa maman divorce avec son mari, qui a donné le sida à sa maman. J'explique. En fait, le sida, comme j'avais déjà une fois dit, on peut soit introduit par une seringue avec un sang contaminé, ou bien on peut introduire ça par un empoisonnement. Mais ce genre de sida-là, ce n'est pas contagieux. Mais seulement que quand tu t'en vas, tu es testé positif. Tu peux même développer des maladies annexes. Et c'est comme ça la fille a fait. En fait, c'était la nièce qui avait été introduite par ses deux oncles, son oncle et sa tante, pour pouvoir être leur fer de lance dans la maison et ainsi détruire tous les plans de tentatives de réveil de ses oncles et de sa tante. Donc, il est important que la maison dans laquelle on habite soit safe, soit exempte, qu'il n'y ait pas de sorcier dans la maison. Et il est important aussi, avant de dormir, de prier. Il faut prier parce que quand tu ne pries pas, comme j'ai dit tout à l'heure là, toute action de sorcellerie se manifeste dans le physique. Si tu pries un jour pendant que tu es en train de dormir, tu vas te réveiller, boule de voir que quelqu'un a arrêté devant toi et puis tu vas l'attraper. Mais c'est un sorcier dans ta main. C'est très important. C'est vrai que souvent on dit prier, prier. Les gens ne comprennent pas que les prières là, ça marche. Bon, il ne faut pas quand même partir faire ton diangé. Vous avez dit, tu vas dire Jésus et puis vous allez te coucher, puis ça va marcher. Il faut quand même avoir une certaine hygiène de vie, hygiène morale. Et ça permettra à la prière d'être plus porteuse. Donc voilà, chaque fois que je parle ici, j'explique, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne savent pas. Il y a un qui dit, elle est suspecte. Mon cher, moi, si je suis suspecte en Jésus, là, c'est bon, mais au moins, ce que je dis, là, si ça peut tout t'aider, que ça t'aide, en fait. Ça ne me fait pas mal, ce genre de dire, même les suspects, là, parce que moi, je me renseigne. Je m'instruis dessus parce que c'est le nouveau fléau de la société actuellement. La société a fait du mal. Et c'est sur les enfants. Même aujourd'hui, plein d'homosexualité qui est là. Le société peut te rendre homosexuel. Ils font ça parce qu'ils te dévient ton identité spirituelle et sexuelle. C'est dangereux. Donc voilà. Tu veux dormir, viens. Waouh, dites-moi ce que vous en pensez. Bienvenue dans le coup d'envoi. Le témoignage, une histoire hors du commun. C'est l'histoire d'une dame qui va à une cérémonie dans un mariage. Bon, la dame, elle va à une cérémonie de mariage. Donc, pendant la cérémonie, elle croise une dame qui lui dit comme ça qu'elle a eu une vision sur elle, qu'elle va se marier bientôt. Donc, la dame, elle est surprise, elle dit, mais je ne suis pas mariée, je n'ai pas un fiancé, je n'ai pas fait de rencontres. Donc, comment tu peux avoir ce genre de vision-là? Que peut-être que tu t'es trompé des personnes, ce n'est pas moi. Donc, après la cérémonie, elle va dans sa ville. Donc, une semaine après, le pasteur l'appelle pour lui dire que, ah, vraiment, il y a une soeur qui doit passer dans ta ville. Tu dois passer dans ta ville, est-ce que tu peux l'héberger? Bon, elle dit oui que, bon, ok, d'accord, je peux l'héberger. Donc, c'était un samedi qu'elle devait arriver. Donc, ce samedi-là, à midi, elle entend quelqu'un klaxonner. Elle va, elle ouvre la porte, elle voit, c'est une dame. Elle dit, ah, ok, d'accord, le pasteur m'avait déjà prévenu, donc, tu peux entrer. Tu peux entrer, mais en fait, elle est étonnée parce que, bon, normalement, c'est une nouvelle dame de la ville. Au moins, elle devait l'appeler pour dire, ah, je suis à la gare. Elle devait l'informer, mais aucune information. La dame est arrivée, elle a pas indiqué la maison. Elle a trouvé ce bon. C'était un peu suspect, mais elle ne s'est pas posée de questions. Dans la maison où elle était, c'était une chambre-salon. Une chambre-salon. Donc, quand la dame est venue, elle a préféré libérer sa chambre pour donner à la dame. Elle a dit, bon, je suis ici avec mes enfants, mais je ne peux pas te laisser dormir au salon. Bon, je te laisse la chambre. Donc, elle a laissé la chambre à la dame. Bon, elle avait son fils de 7 ans. Son fils
Bon, son fils était un peu bizarre. Il a dit non, maman, laisse la tata là dormir au salon. Il veut pas qu'elle dorme dans la chambre, tout ça. Donc, elle a tapé son fils. Elle a dit, mais que pourquoi tu es comme ça? Que toi, tu es toujours comme ça, les étrangers, que j'aime pas ce comportement-là. Donc, la nuit, ils ont mangé tout. Et puis, ce qui était un peu bizarre, c'est que la dame, elle était dans un moment de gêne. Elle était dans un moment de jeûne. Donc, à partir de minuit, elle a commencé à faire sa prière, jusqu'à. Bon, au niveau de 2 heures du matin, elle a eu un peu de sommeil, elle a dormi. Donc, pendant qu'elle dormait, son fils l'a arrivé. Son fils dit que, ah, maman, il sent une mauvaise odeur là. Il ne sait pas d'où ça vient, il sent une mauvaise odeur. Elle a tapé son enfant, elle a dit, ah, toi, tu aimes trop ça, faut dormir. Donc, 30 minutes après encore, l'enfant se réveille. L'enfant dit, ah, maman, la maison sent mauvais, tu ne sens pas l'odeur là. Que ça sent mauvais, ça sent. Elle dit, oh, toi, tu aimes trop ça. Elle n'a pas pris son chéri, elle a dormi. Donc, le lendemain encore, elle devait aller au travail. Donc, l'enfant dit qu'il ne veut pas rester seul à la maison, la dame. Qu'il veut partir aussi. Elle dit, ah, mais il ne veut pas terminer au travail. Il faut rester à la dame. Il dit non, qu'il ne veut pas. Il ne veut pas rester à la dame. Donc, elle a pris, elle l'a emmené chez une amie. Et puis, le soir qu'elle est descendue, elle est revenue avec son fils. Maintenant, elle est dans son deuxième jour de jeûne. La nuit encore, elle se réveille pour prier. Son fils encore répète la même scène. Ah, maman, la maison sent. Est-ce que tu ne sens pas l'odeur là? Elle dit, elle ne sent pas. Là, son fils lui a dit, bon, maman, c'est que ta prière là, tu n'es pas bien concentré. Il faut bien te concentrer, tu as prié. Donc, elle s'est mise vraiment dans la prière. Elle a prié avec force, avec conviction, tout ça. Donc, arrivé un moment, un petit moment là, elle s'est endormie. Elle a un léger sommeil. Quand elle a dormi, elle a fait un rêve. Dans le rêve, elle s'est réveillée, puis elle a commencé à sentir une mauvaise odeur de la maison. La maison se sentait, elle ne comprenait pas pourquoi la maison se sentait. Elle ne comprenait pas pourquoi la maison se sentait. Donc, elle a dit à son fils, elle a réveillé son fils, elle a dit, ah, mais André, que tu as raison, la maison, là, ça sent mauvais, mais d'où vient cette odeur-là? Non, c'est ça, elle s'est mise à prier. Quand elle a prié, c'est comme quelque chose lui a dit, bon, rentre dans la chambre, tu vas aller voir. Quand elle rentre dans la chambre, elle voit la dame endormie. Hein. Tout le bruit qu'elle fait là, la dame là, c'est comme si elle n'était pas là. Elle n'entendait rien. Elle rentre dans la douche. Quand elle rentre dans la douche, elle voit rien, elle ne comprend pas. Mais elle se dit, mais l'odeur là, ça vient d'où? Elle ne comprend pas d'où vient l'odeur là. Elle regarde dans la douche est propre, il n'y a rien. Elle s'en va prier encore. Quand elle prie au bout d'une heure comme ça, c'est comme c'est comme une révélation. Elle rentre dans la douche encore. Quand elle rentre dans la douche, tu vois les lavabos là, le levier où on se brosse, le levier du lavabo là. Elle a ouvert le trou. Donc, elle a ouvert le trou. C'est comme l'odeur là. Je ne sais pas comment il a dit ça. Ça c'est rentré dans un narine, ça l'a étouffé même. Donc, c'est comme ça. Elle est partie chauffer de l'eau. Quand elle a chauffé l'eau, elle a renversé dans le levier. Si elle savait, elle n'allait pas faire ça. Quand elle a fait ça là, j'ai dit la femme, au fait, elle a fait ses besoins et puis elle a enfoncé ça dans le levier. Donc, ça fait que la douce sentait mauvais, la maison sentait. Donc, elle a versé l'eau chaude. Tout ses besoins là, tout est sorti dans la douche. Ça salit la salle de bain en fait. Donc, ça salit la salle de bain là. Elle a passé plus de 1h30 à temps de nettoyer la douche. Mais le truc bizarre, c'est que pendant tout ce temps, la dame dormait. Elle dormait, elle ne s'est même pas réveillée. Fait un petit bruit, elle dormait. Donc, elle a fait tout ce travail jusqu'à vers les 5 heures du matin, 6 heures. La dame se réveille en panique, elle ramasse ses affaires, elle s'en va. Elle dit, aïe, elle lui dit, mais tu t'en vas tôt comme ça, tu m'as dit que tu partais dimanche, je dis, elle s'en va, donc attends un peu. Elle dit, non, qu'elle veut partir, elle s'en va, encore la laisser partir. Donc, c'est comme ça, la dame est partie. Donc, la dame est partie. Elle a eu le réflexe de rappeler le pasteur. Elle appelle le pasteur pour lui dire, mais la dame que tu envoies chez moi, voilà ce que la dame a fait.
Le pasteur dit que non, moi je n'ai pas envoyé quelqu'un chez toi. Le frère dit, hey, mais vous m'avez appelé. Le pasteur dit non, que lui n'a jamais appelé. Il dit qu'une dame va passer. Est-ce qu'elle se rappelle au moins du nom et du visage de la personne? Elle dit jusqu'à combien d'années ils n'ont jamais su qui était la dame. Donc, ça pour dire que de ne pas faire confiance aux gens comme ça, éviter même de recevoir les étrangers, même chez toi, quelqu'un que tu ne connais pas, ce n'est pas la peine de recevoir la personne. Bon, merci beaucoup. Wow, vous avez vu ça, ça c'est vrai, hein? C'est clairement vrai. Donc, de réserver un espace assez loin de chez vous où vous pouvez recevoir les gens, même au restaurant, ce serait même mieux. Wow. Bien, nous allons écouter encore un témoignage, une histoire hors du commun qui est basée sur les avions de nuit. L'histoire en fait est basée sur, vous voyez, les avions de nuit. Alors, l'histoire en fait s'est passée à Berkoa, au Cameroun. Pendant que je dormais avec mon frère, je crois que c'était aux environs de 23 heures déjà. Voilà, et du coup, j'ai entendu les grains de sable, sur le toit. Alors, c'était en fait étonnant. Je me suis dit que peut-être c'était un oiseau qui passe. Ce n'était pas le cas. Parce que, après les grains de sable, j'ai écouté les pas d'un monsieur qui marchait sur le toit. Alors, il faisait des pas. Alors, du coup, j'essaie de réveiller mon frère parce que j'étais avec mon frère, on causait. Mais à l'instant où les grains de sable sont versés sur le toit, le gars s'est mis à s'endormir. Alors, j'essaie de le taper, il ne se réveille pas. Alors, j'essaie alors donc de me concentrer sur les pas, sur le poids. Je sais, par exemple, moi, par exemple, je suis un charismatique, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. Je me mets à prier. J'invoque le feu du Saint-Esprit. À ma grande surprise, le monsieur se met à courir sur le poids. Il fait des allers et retours. Alors, je me mets à comprendre que ma prière en train de marcher, sûrement ça le chauffe. Mais à ma grande surprise, il s'arrête. Il continue à marcher doucement. Là, j'avais arrêté de prier. Alors, j'étais un peu dépassé. J'ai dit, mais je ne suis pas quand même seul dans la maison. Je suis allé appeler mon papa, qui en ce moment, heureusement pour lui, il ne dormait pas encore. Alors, je l'appelle et je lui demande, est-ce que tu écoutes les pas sur le toit? Alors, il me répond carrément que non. Tu es dépassé, mais non comment? Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui marche sur le toit. Sa femme, négativement, elle dit non. Qu'elle n'écoute rien. Alors, lui, en fait, il m'a pris au sérieux. Il a dit, allons un peu voir. Sortons et allons voir ce qui ne va pas. OK. Il a pris le devant. On a ouvert la porte. Nous sommes sortis. Et puis, on a essayé de regarder sur le toit. Vous savez, le toit, en fait, a une forme pyramidale. C'est-à-dire pyramidale. On a essayé, par exemple, de verser du sel, ce qu'on a trouvé pas correct, parce que le sel pourrait affecter le toit. On a imaginé si on pouvait peut-être verser de l'eau bénie. Malheureusement pour nous, on n'en avait pas. Alors, et on a commis une erreur grave, qui était d'ouvrir la porte et de laisser grandement ouverte. Alors, pendant qu'on regardait, pendant qu'on cherchait l'esprit sur le toit, le bon monsieur s'est faufilé à l'intérieur.
Ça, ce sont mes analyses. Je vais vous dire pourquoi. Alors, étant donné qu'on n'a rien vu sur le toit, nous sommes entrés à la maison, nous avons fermé la porte, et puis il m'a dit gentiment, « Bon, allons nous reposer, peut-être qu'il est parti. » Alors, lorsque je vais donc me coucher, avec mon frère à côté, ça n'a pas fait 5 secondes. Moi, j'étais presque endormi, pas totalement, ça n'a pas fait 5 secondes. Mon frère qui dormait carrément, je vais dire ça comment, il a poussé un cri énorme. Un cri énorme. Alors, il a crié de telle sorte que même les parents qui dormaient de l'autre côté ont entendu et ont demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'autre crie comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, quand il se saute, il me dit, il me fait comprendre qu'un esprit voulait le posséder. Qu'il y a un esprit qui marchait et qui a voulu et qui s'est couché sur lui et qui voulait en fait le pénétrer. Non mais j'ai compris d'ailleurs que c'est l'esprit dont on cherchait à chasser sur le toit qui est entré malheureusement lorsqu'on a ouvert la porte. Alors c'est comme ça qu'on s'est levé, toute la famille en fait, parce que son cri a réveillé tout le monde. Nous sommes allés au salon, on a prié comme on pouvait. Nous sommes retournés à nos coucher. Mais à ma grande surprise, le matin, le gars a été cloué sur le lit, incapable de se lever, incapable même de parler, avec une fièvre terrible. Puis on se dit, mais attends, qu'est-ce que tu ressens en toi? Il dit qu'il est faible, il ne peut pas se lever. En fait, il a l'impression qu'il n'a plus de force. On a essayé donc d'aller voir un prêtre pour qu'il fasse des prières sur lui. Ce qui a heureusement marché, parce que ce même jour, en soirée, il allait de plus en plus mieux. Et je crois que cette histoire que je raconte maintenant, c'est simplement pour attirer l'attention des personnes dans la nuit lorsqu'elles ouvrent la porte et s'en vont peut-être pour après revenir, un truc comme ça. Il faut qu'on soit un peu plus vigilant parce que lorsqu'on ouvre la porte, on donne l'accès aux esprits d'entrer chez nous. Et c'est actuellement ce qu'ils attendent. Voilà, ça c'est en fait mon histoire. Waouh, ça c'est la vérité.